Rebonjour à tous et rebonjour à toutes, ou bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est toujours Virus, c'est toujours mon playthrough sur Mass Effect 2. On s'était quitté, j'étais en train d'explorer en fait les planètes du système Vair. En fait, moi, j'ai continué d'explorer les planètes pour pas vous embêter en fait avec les planètes. Donc j'ai récolté un peu de palladium, du platine et de l'iridium. J'ai pas trouvé d'élément zéro. Comme ça, au moins, je sais pas si vous aimez me voir explorer les planètes, collecter des ressources, mais bon, j'ai terminé ce système-là. Comme ça, il me reste plus que la petite planète de Korang à explorer J'ai détecté une anomalie. avec ce qu'on doit trouver dedans, avec Ils sont la dans le collecte marqué. d'artefacts, la mission collecte d'artefacts qu'on doit faire. Lancement d'une sonde. Donc, on va la faire, et puis en même temps, on va en profiter pour récolter tout ce Sonde qu'on peut larguée. trouver. Qu'elle est abondante cette planète, donc il y a pas mal de trucs, c'est cool. Toutes les autres planètes que j'ai fait, il n'y avait pas grand chose dessus, hein. La plupart, ils n'étaient pas Sonde larguée. abondantes, il n'y a pas grand chose dessus. J'espère en trouver quelque chose. Non, 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 non. Donc là, on a trouvé. Le truc, ok, mais c'est pas ça que je cherche. D'abord, je recherche les Sonde ressources. déployée. Et puis après, on s'occupera de la mission. Ici. Sonde déployée. Il en reste encore. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, je suis presque à 150 000 de palladium, Lancement d'une 60 000 sonde. de platine et presque 100 000 d'iridium. On a fait vraiment le plein de ressources. Sonde larguée. Ok, il en reste encore. Il en reste, il en reste, il en reste. Allez, allez, allez. Qu'on finisse cette planète et qu'on aille en mission. Apparemment, je sais pas. Ils sont où les derniers gisements là? On a encore à modérer, ça veut dire qu'il y en a encore. Mais je les trouve pas. Je sais pas où ils sont. Plus la planète. Ah, la planète elle est pas grande. Lancement d'une sonde. Peu abondant, il doit rester un. Ah, ici. Je crois que c'est le dernier. Lancement d'une sonde. Voilà, c'est le dernier. Confirme le scanner et on va atterrir. Les scanners ont découvert des lieux pouvant correspondre au site décrit par le docteur Case. Ok. Attention, présence guette détectée. Soyez extrêmement vigilants. Ouh là là, ouh là 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 là. Ça risque de puer. À mon avis, il va y avoir de l'action. On va sûrement se faire agresser par des guettes. Je sais pas si on en a déjà rencontré des guettes, je crois pas. Je crois qu'on en a encore jamais rencontré. Ça va être l'occasion de rencontrer les guettes pour la première fois. Donc on va se prendre Miranda et puis Mordine. Hop. Alors, j'avais des points de commando à attribuer. Donc pour Shepard, je l'avais fait. Donc pour toi. Ah, t'as que 2 points? Pourquoi vous avez que 2 points? Et pas 4. Ah, c'est bizarre ça, tiens. C'est bizarre. Bon bah tant pis, hein. Je pensais que j'allais pouvoir améliorer une de leurs compétences au maximum, mais apparemment non. Ok, bon bah ça a l'air d'être plutôt bon. On va y aller. Petite cinématique. Ah, et puis on y va en vaisseau en plus.
C'est ça des guettes? Ouh là là, ça pue, ça pue, ça pue. J'ai pas envie d'exploser mon vaisseau, je vois pas sa vie, je sais pas où elle est. Je crois que c'est bon. Faut aller par où? Derrière, ça a l'air d'être foutu. Ok, donc on peut aller que devant. Ok, ma petite mission en vaisseau. Je me rappelais pas de ces missions en vaisseau quand j'avais fait Mass Effect 1, c'est bizarre. Enfin, Mass Effect 2 quand je l'avais fait sur PC. Je me rappelais pas de ces missions en vaisseau. Transporteur Gate, il y a des ennemis alors. Non? Ouais, il y a des ennemis. Ouh, c'est un colosse guette. Il est super résistant ce colosse. Et puis il se rapproche en plus, c'est ça le pire. Il est presque mort. C'est bon. Il va exploser ou pas? Non. Apparemment, il explose pas et c'est tant mieux. Allez, allez, bourrinez-moi tout ça. Ah non, d'accord. Ah d'accord, le soldat que je vois, il est à travers la porte, il est... je sais pas où, en fait. Comment on fait? C'est triangle déjà, ouais. Donc faut en récolter 5. Il n'y a rien par ici. Il va y avoir de l'action derrière. Juste là. Si je pense pas qu'il puisse m'avoir, je suis quand même assez loin. Est-ce qu'il y a un colosse ou un truc comme ça là à défoncer? Destroyer Gate. Colosse. Ah, il y a un colosse aussi. Je crois que d'ici peut pas m'avoir. On va en profiter. Ah, depuis tout à l'heure, je martèle la touche en fait. En restant appuyé, ça fonctionne aussi. Donc, je me prends la tête pour rien. Ok. Donc, il y a un truc ici à récupérer. Ouh là là. Je sais pas si en tombant dans l'eau, si on meurt. Donc on va faire plutôt attention. Ok. Ok. Par là-bas, il n'y avait rien. Ok, c'est bon. Tout est nettoyé, on récupère ça. Ok. Prochain élément, faut aller par où? On va suivre. D'accord, faut aller par ici donc. Faut aller par ici. C'est une cité ici, dis donc, c'est pas la vache. Est-ce que c'est grand?
Pas d'ennemis à l'horizon. Ah, ennemi en approche. Il va y avoir un colosse comme d'hab, je parie. Les destroyers, je sais pas ce que c'est. On va péter le colosse déjà. Ça c'est fait. Je sais pas ce que c'est, mais ça se détruit pas, dis donc. Ah si, quand même un peu. Ok. Je sais pas ce que c'était, au juste. J'ose pas trop m'en approcher parce que je sais que ces véhicules-là... Ça peut péter très très vite et j'ai pas envie de refaire toute la mission, alors je préfère prendre mes précautions, surtout en mode démentiel. Faut pas rigoler quoi, on rigole pas, c'est pas un niveau à prendre à la rigolade quoi. Le prochain apparemment il est là-bas, donc on va faire un tour par ici, voir un peu ce qu'il y a. Où est-ce que ça nous amène ici? D'accord, ça nous ramène là où on était à la base, donc on va avancer. Le vaisseau il avance pas vite. Ok. Il va y avoir de la présence Gate qui va se ramener comme d'hab, à chaque fois que je vais me ramener du point d'artefact. Artefact. Hop. On avance. Je sais pas si je peux. Non, je vais pas tenter le diable. On va passer d'abord par ici. Oh! Ah, il y a un boost avec L1. J'avais même pas fait gaffe. Get Prime. Je sais pas ce que c'est ça. Ici apparemment je peux pas le tuer. Ah si, je suis en train de péter le colosse en fait. Get Prime, on va le péter aussi. Ok, derrière il y a les destroyers. Ok, et par là-haut il y a quoi ici? Bon, c'est peut-être la suite du chemin après. Donc on va attendre avant d'y aller. Là par contre je peux pas les avoir. Ok, zone nettoyée, on récupère le quatrième élément d'artefact. Ok, et donc le cinquième et dernier il est par où? Ah, peut-être par là-haut. Ah ouais, je vois le rayon bleu là-bas. Drone lance missile. Où ça pue ça? Où ça pue? Oh oui, je vois des lance-missiles là. Je vois des missiles partir, j'aime pas ça. Ok. C'est bon, c'est nettoyé. On passe. Il y a un petit truc à récupérer ici. Bon, c'est pas l'artefact, ça va être sûrement des ressources. Ouais, des unités de platine. Donc on va passer en face là-bas. Ok. Il va y avoir de la présence guette là. Je suis sûr que je vais traverser. Il va y avoir des guettes. Et ouais, ça pue. Je retourne de l'autre côté. Je vais les avoir au loin. Sinon, je sens que j'ai crevé. En plus, le colosse là-bas, là, il... à mon avis, il me veut pas que du bien. On cherche la sécurité. Hein. On va pas se prendre la tête. Il y a un Get Prime.
Je sais même pas ce que c'est ça. En fait, les Gate Prime. Apparemment, je peux pas le tuer là. Je suis pas bien placé. Je vais essayer plus par ici. Ah, ici, c'est mieux. Ah, les Gate, c'est super résistant ces trucs-là. Ah, oh, y a un deuxième colosse. J'imagine même pas avec des armes normales comment on doit galérer à les tuer. Si avec un vaisseau et des missiles comme ça, tous les missiles qu'on lui fout dans la tête pour qu'il meure, avec des armes, ça doit être un truc de malade. Ok, on va prendre le dernier. Et on a fini notre mission. Voilà. Yes. Alors regardez, on a un petit truc ici avant de finir la mission. Ok, et eh ben c'est bon, on se casse. En bas y a rien. Y a quelque chose ici? C'est quoi ça? Non, y a rien. Y a rien. Ok, mission terminée. Hop. Finir la mission, ouais, partir. Petite mission rapide. Hop, on passe. Pas beaucoup. On a gagné un petit peu de crédit, un peu de platine. Mais on a récupéré les données. Ok, présence guette éradiquée sur le reste de la planète, ok. Bon bah ça fait une petite mission en plus de fête. En fait c'est même pas des missions, c'est des affectations. Je sais pas si ça a vraiment une importance, mais moi de toute façon je compte tout faire dans cette partie. Tout ce qu'il y a à faire je le ferai, que ce soit affectation ou mission, je compte vraiment tout faire. Et vraiment tout explorer, explorer le jeu dans les moindres détails. Donc on va tous taper. Prochaine mission, on va y faire là. Ah non, je voulais pas ouvrir la carte de la galaxie. On va retourner dans le vaisseau. On va aller faire. Hop, journal, affectation. On va faire la deuxième mission Fakir, station volcanique. Le 40 tours. Aller à 40 tours. Ok, et eh ben on va aller là-bas. J'ai reçu un message, ok. Message non lu, artefact référencé. Ah, ça va me mettre sur la voie d'un site prométhéen, les artefacts qu'on a trouvés. Donc, on retourne au relais cosmodéique. Hop. Réserve de carburant épuisée à 50%. Mais non, les réserves de carburant, ils sont bonnes. Hop, on va refaire le plein de petites sondes et de carburant un peu. Voilà. Et on va se prendre le relais cosmodésique. Et on va aller faire Fakir incursion guette, c'est ça? Bah apparemment c'est ça. Donc on y va. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ah, il y a encore pas mal de systèmes ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 systèmes encore. 4 systèmes solaires. Bon bah comme d'hab, on va explorer toutes les planètes. Un peu abondant. Ici, j'ai vu ici, là, par ici, ici, à peu près. Sonde déployée. Puis on va pas explorer toutes les zones. Lancement d'une sonde.
Moi, je le ferai. Je le ferai hors vidéo, ça, d'explorer toutes les planètes. Et si des fois je trouve un truc en particulier sur une planète, bah, je referai. Je mettrai la vidéo sur mode enregistré pour vous enregistrer la vidéo. Là, je fais celle-là et puis ici, on va pas les faire. On va seulement faire les planètes où il y a dans le système, là où il y a la mission Fakir, pour pas que j'ai besoin d'y retourner en fait, pour faire les restes des planètes. Sonde déployée. Et puis tout ce qui reste, ben moi je le ferai hors vidéo pour qu'on puisse quand même avancer dans les missions. Parce qu'on va pas faire que ça, de récolter des ressources sur les planètes. Surtout que là, niveau ressources, on est plutôt pas mal. Donc là, il en restera une, deux. Il en restera deux. Ouais, deux. Ouais, je peux les faire hein, pour deux. Ouais, je sais pas. Non, je les fais pas. On les fera. Je les ferai plus tard. Hop, on va dépôt de carburant, on va reprendre des sondes et on va aller vers le système de l'incursion Gate. Hop. Bah super, en plus il n'y a que deux planètes. Ça fait qu'il n'y en a pas beaucoup à explorer. C'est plutôt cool. Modéré. Est-ce qu'il y a de l'aimant zéro ici? Moi je suis à la recherche d'aimant Sonde zéro. larguée. Ah, ici, on a un peu de palladium. Sonde déployée. Ici, on a de l'iridium. Lancement d'une sonde. Iridium, on va bientôt passer à 100 000. Et tout ça va très vite baisser une fois qu'on va faire nos améliorations, ça va baisser très très vite quoi. Tous les aimants qu'on récolte, donc faut vraiment tout Sonde prendre, tout déployée. ce qu'on trouve, faut vraiment tout prendre. Ah, ici, par ici, j'ai vu un truc. Là. Lancement d'une sonde. Ah, ici. Du platine, Sonde déployée. peu abondant. Il doit rester quelques petits trucs quelque part. Je cherche. Ah, ici on a. Ah, bah, ça doit être ça Sonde sûrement. déployée. Ah, il en reste encore. Ici. Quand même là. Ouais, ça doit être ça ce qui reste. Lancement d'une sonde. Voilà. On va épuiser. Donc on va aller faire notre petite planète. Enfin, on va peut-être déjà J'ai scanner. détecté une anomalie. On va la scanner. Et on va récolter tout Sonde ce qu'il y a déployée. dessus. Et une fois qu'on aura tout récolté, et ben on ira se poser dessus. Et puis on ira faire notre mission Sonde déployée. avec des guettes qui risquent sûrement de nous causer pas mal de problèmes. Mais ça va le faire. On va le faire, il n'y a rien d'insurmontable. Alors, ici il y a anomalie, ok. Ah, ici on a une source de palladium. Sonde déployée. Ici, une source de platine. Sonde larguée.
Il reste ici. J'ai vu ici. De platine. Iridium, on a passé à 100 000. Là, ça y est. On a passé 100 000. Ah. Ici. Du platine. Il en reste. Il en reste, mais je sais pas où. Je regarde vraiment tout en bas. Apparemment, tout en bas, il n'y a rien. On va remonter. On va remonter petit à petit. Tout doucement. Ah. Ouh là là. On va prendre de l'iridium. Sonde déployée. Ici, il y avait un peu de palladium. On va prendre de platine. On va prendre aussi. Puis voilà, bon, on a tout pris. Et ici, il y avait le signal. Hop. Les scans ont trouvé quelque chose. Les scans planétaires ont relevé des signaux provenant des capteurs laissés sur la planète qui contiennent peut-être des informations très importantes. Attention, les températures sont extrêmement basses à la surface de la planète. Nous vous commandons de rester à bord du Hammerhead afin d'éviter au maximum le contact avec le froid. Donc à mon avis, ça va peut-être encore être une mission avec un vaisseau. Puisqu'apparemment, ils nous conseillent de rester à bord du vaisseau. Je sais même pas en fait si on peut descendre du vaisseau. J'ai jamais essayé en fait. Mais apparemment là c'est déconseillé quoi de descendre du vaisseau. On va peut-être pas descendre. Du coup, hop, on va prendre Mordine et Miranda. Comme d'habitude. Ok, donc les sorts de toute façon il n'y a rien à changer. Ça reste comme d'hab. On passe ça. Ah ouais, c'est une planète, on voit que c'est tout blanc.